C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, mon Dieu grand maître moi, c'est où même, seul bien moi gagnant. Bon Dieu, c'est héritage. Frère Maxime, yo, zami internaute nou yo, téléspectateurs, téléspectatrices, nous contentons de la caillou jeudi à qui c'est 17 mai. Pour que nous puissions présenter une émission par là qui s'est anticosée sur la vie Saint-Yo. Généralement, on dit que le prêtre est l'homme de la parole. Il est également l'homme du sacrement. De façon spéciale, le sacrement de l'Eucharistie. Et voilà qu'on est là. Qui est-ce qui va aller patron du congrès eucharistique? Ce n'est pas Pion Père, mais c'est Bralion religieux. Ça fait nous comprendre qui ça? Ça fait nous comprendre que l'Eucharistie, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire du peuple de Dieu. Un peuple qui contient des clercs, des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs. Donc, nous sommes tous des baptisés et c'est l'affaire de tous les baptisés, c'est l'affaire de tout le monde. Religieux, ça, il est Pascal Bailon. C'est lui-même pape Léon XIII. L'année 1898, Bral proclamé, eh bien, patron des congrès eucharistiques, des activités eucharistiques. Et bien, nous allons regarder ensemble la ville, l'histoire de la ville. Et pour qui ça, non seulement l'église là, Bali patron congrès eucharistique, et pour qui ça, toute l'église là, nous comme modèle pour que nous puissions suivre Vincent, on le, même bien avec Pascal Bailon. C'est Pascal Bailon, il fait dans. L'année 1540, elle est faite en Espagne. Mais d'après les recherches que j'ai faites sur la vie de Pascal, je vois que Pascal fait une famille très pauvre, mais chrétienne également. Une famille chrétienne, mais très pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour vivre? Il était fermier. Peut-être que les gens qui ont moi, ils ont pris le responsable des fermes. Le fait que les responsables fermiers, ça vient de faire que les très souvent étaient dans la solitude, pour compte lui, seul. Mais pendant que étaient dans la solitude, c'est une façon pour être capable, peut-être utiliser moyen ça pour contempler la nature, là, pour découvrir la présence de Dieu dans la nature, pour découvrir la proximité que le gain avec bon Dieu dans la nature, là. Donc découvrir les mystères de Dieu dans la solitude. Donc, quelle que soit la situation, que monde est capable de découvrir la présence de Dieu, la force de Dieu. Donc, Pascal lui-même a découvert la présence de Dieu dans sa solitude, dans la nature, mais surtout dans le Saint-Sacrement. Ça t'a mal arrivé, t'a mal guéri un désir poussé qui vient faire que le remet ses sacrements. Qui vient faire que, depuis là, il était tout petit, il était apprenu et remet ses sacrements. En pile fois, les valeurs religieuses se cultivent, se développent dans la famille. Eh bien, parents, Pascal, tu as appris à aimer Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et ça va arriver que il a tellement développé l'amour pour ces sacrements, même pendant qu'il est ferme. Et puis, dans la chapelle qui est à côté, l'église qui est à côté, ferme côté de l'église, il a célébré la messe, il est arrivé dans un moment, ça, moment. Et consécration. Mais Pascal, il a tout ça qu'il a fait, il mettait à genoux pour être capable de contempler Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Jésus dans le très Saint-Sacrement. Ça vient de faire que la proximité avec bon Dieu pour elle grandir, pour elle développer. Yon-le, il sentit appel à la vie religieuse. Il a demandé pour l'entrer dans l'ordre franciscain. Mais il faut promis des marches pour l'entrer dans l'ordre là. Les regards des postures, tenues, son accoutrement assez bizarre, c'est-à-dire, regarde que le métier ne peut pas paraître trop bien fait une cordium, il t'a pris le premier refus. Il t'a pris l'insister, peut-être une deuxième fois, il t'a demandé pour l'entrer dans l'autre franciscain, pour le faire religieux, il t'a pris l'accepter, mais pas de bon cœur.
Et puis, il était presque mis sa part à l'écart. Mais ce n'est pas ça que le devait lui-même. Ce n'est pas ça que le tape cherché. Il y a des grands bagages que le tape cherché. Et ça fait, ça va décourager. Ça, le tape cherché, c'est développer l'intimité davantage avec mon Dieu. Au découvrir dans lui, il y a un monde qui remet ses sacrements. Il passait des heures en présence de l'hostie, consacré pour qu'il était capable de la prier. La prière était en contact, était en communion avec Jésus. Ce monde qui était une passion pour l'Eucharistie, la sainte communion. Et puis c'est comme ça, yon-le, pendant que la parole de Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, il t'apprend non-vision, même connaît que le bras mourir au 17 mai. 1592. Il connaît que Bral mourit. Il vient d'annoncer, il vient d'avertir ça. Donc, dans son genre, il lit ouais, même date la molle. Effectivement, le Bral mourit date ça. Et le Bral mourit en 17 mai, hein, c'est un jour la Pentecôte. Hein, c'est dimanche de la Pentecôte. Et le Bral mourit précisément pendant que Père a consacré l'Eucharistie. Donc, dans le moment de consécration. Donc, pour montrer l'intimité que le gain avec bon Dieu, avec Jésus. Donc, il mourit dans le moment qu'il était plus crime dans la ville, contempler le Christ dans le sacrement. Donc, c'est pendant même que Père a consacré, non seulement, il était qu'il avait un songe que la mourit. Et on dit, moi, je suis la Pentecôte. Le 17 mai 1592, ce qui a été fait, il était mort vraiment dans la date ça. Et dans le moment qu'il était plus dans la ville, dans le moment de l'adoration, eucharistique, dans le moment de la consécration de l'hostie. Il va mourir. Mais par la suite, j'en dis, hein, pape Léon XIII, dans 1892, il va proclamer le patron des congrès eucharistiques et des activités qui ont rapport avec l'Eucharistie. Donc, ce n'est pas un prêtre qui est ministre des sacrements de façon particulière, ministre même de l'Eucharistie. Non, ce n'est pas un prêtre. Ce n'est pas un évêque ou un pape, etc. Mais c'est justement un religieux qui était adonné à l'adoration du Saint-Sacrement qui va le faire que je dis à nous gagner comme patron. Nous disons Dieu merci pour Pascal Bailon, que le bon nom, religieux ça, qui était remis en pile, qui était adoré, adoré le métal pour vous, le métal c'est là qui n'est pas gagné, le métal c'est là qui a abandonné. Eh bien, c'est lui-même que nous gagnons pour que nous soyons capables de dire bon Dieu merci, fini jeudi, hein, et que nous voulons offrir que nous offrir la vie, nous voyons bon Dieu. Nous avons demandé l'amour ça, que Pascal Bailon a gagné pour l'Eucharistie, pour la Sainte Hostie, communion, pour qu'il soit capable de développer même l'amour ça, l'enfant que nous avons, nous. Peut-être comme ça, nous sommes capables de venir saint, même Jean, avec Pascal Bailon, pour nous faire l'ange, accomplir bon Dieu dans le ciel-là, ensemble avec tout saint. Nous prenons. Et justement, terminer avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion, ça, pour Pascal Bailon. Permette, Dieu Tout-Puissant, que l'exemple des saints nous incite à mener une vie meilleure. Et tandis que nous célébrons la fête de Saint Pascal Bailon, fais-nous la grâce de savoir l'imiter. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, siècle des siècles. C'est côté où m'a cherché défense, mais samedi où mon Dieu grand maître moi, c'est où même seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est